Bienvenue à la rencontre d'information des 50 ans de Joseph Hermas Leclerc. Bienvenue! Nous souhaitons nous réunir aujourd'hui pour déterminer comment les élèves pourraient rendre hommage à Joseph Hermas Leclerc. Merci beaucoup de me rendre hommage, c'est vraiment très apprécié. Ben non, pas le Joseph Hermas Leclerc là, son école là. Toi t'as comme 145 ans? Oups! Désolé, je voulais pas déranger. Repose en paix, J.H. Ben, moi, je pense qu'on devrait faire une vidéo en s'inspirant de ce qu'écoutaient nos parents il y a 50 ans à la télévision. Oh, j'ai une idée! Ma mère écoutait Wapata Wow! Hein? Wapata Wow! C'est cool, vraiment débile, à l'école, dehors comme en dedans, du béton et de la brique. Brutalis! Wow, 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 des enseignants, des élèves! Yeah! Hey, excuse-moi, je t'en parle mon cours de mathématiques secondaire 1. Peux-tu m'aider? Scram le nerds. C'est super, dans la classe de sciences, puis le dos a mis le feu au labo. Madame Champagne est en beau fusil. Ouais, ouais, j'étais dans le cours avec lui, là. Aïe, aïe, c'est bien capoté ce top ce que vous me racontez là, là. Fait que, puis le dos, il est rendu où avec ça? Je sais pas trop, sûrement dans le bureau de Madame Huguette, la directrice. Non, le dos! Tu me décourages, Paul Spin-Migafru! Excusez, c'est que les flammes étaient faites en gaz inflammable. Je n'avais pas compris le sens du mot inflammable. Juste celle-là du mot flemme. C'est pas à moi qu'il faut que tu t'excuses, c'était Frisou. Excusez-moi, Frisou. Ça me swing dans le plexiglas que vous me dites là. Faut que vous soyez techno smash hit un peu plus, là, les jeunes. C'est moi ou est complètement folle? Faut que vous soyez techno smash hit, là, les jeunes! Ah oui, elle est complètement folle. Retourne en classe, là. Tout est Kit Kat dans le shake and bake. Avez-vous remarqué? J'ai rendu, je me parle tout seul comme une vraie dame. Watatatao! Pas mal sûr d'avoir vu du radio en fer là-dedans. Ouh! T'as vraiment les références culturelles Speed Max Trash Metal dans le cube, toi? Ben non. Penses-tu vraiment que c'est ça que nos parents écoutaient il y a 50 ans? Tes parents, ils étaient nés il y a 50 ans? Ben, nos grands-parents, d'abord. Pensez-y! 1972! Ah! L'ancien temps! Qu'est-ce qu'ils font? Ben là, une prière à l'école. C'était normal dans l'ancien temps. Ben, pas mal sûr qu'il n'arrivait pas en pyjama à l'école. Et sûrement pas en sandales avec des bas dedans. Ni de casquette, ni de téléphone cellulaire. Oh, et pourquoi pas avec une Bible et un chapelet? Bon, on peut maintenant se remettre au travail. J'espère que vous avez bien retenu les leçons d'hier. Toi, Antoinette? Oui, une femme mariée se doit d'être loyale envers son rôle de mère, d'épouse et de ménagère. Elle est la reine du foyer. Excellente réponse, Antoinette. Je suis certaine qu'Ovila rêve de trouver une épouse qui a la même description que tu viens de nous donner. Mmh. Si t'as rien de mieux à dire, là, rends-toi utile. À l'âge que t'as, là, tu devrais déjà être rendu au 16-24. Va mettre une bûche dans le poil, là. Madame Bordelot, est-ce que vous pensez qu'un jour les élèves seront chauds dans leur classe? Bien sûr, les élèves auront accès au chauffage dans les années 2000 grâce aux avancées technologiques. Oh! C'est vrai, ça n'a pas changé.
Il fait encore aussi frais dans les écoles. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Sortez vos cahiers, c'est l'heure de la fameuse dictée. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, trébuche dans son manteau pour avoir trop bourlingué. J'ai dit bourlingué, un mot d'argot toléré par l'académie. Pour avoir trop bourlingué, il est toujours convenable de lui offrir une bonne tasse de thé. Ah non, j'ai renversé de l'encre sur ma feuille! Toi, mon petit Joachim Craig, arrive ici, tu vas être privé de lard salé puis de cuillère à melasse pour dîner! Ouais, il y a l'ancien temps puis l'ancien temps. En 1972, la première année du GH Leclerc, il y avait sûrement de l'électricité. Ben oui, je pense pas qu'on s'éclairait aux bougies, là. Pis le téléphone, ça existait-tu? La télévision? L'Internet? TikTok, Snapchat, le chat GPT? Considérant que l'homme a marché sur la Lune en 1969, j'imagine que notre école toute neuve a dû bénéficier des technologies de la mission Apollo. Une fois 12. 2 fois 12. Activité annulée. Le journal étudiant ne paraîtra pas cette semaine. Un vandale armé d'une batte de baseball a brisé toutes les dactylos de l'école. Répétition ce midi pour le spectacle d'ouverture des Jeux olympiques de Montréal. Un moment historique pour le Canada. Oh, maudit téléfox. On reprend. 3 fois 12. 36. 4 fois 12. 44. Bon, on dirait qu'on en a perdu en chemin. Je vais vous laisser une dernière chance, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas chez les religieuses qu'on aurait fait preuve d'autant de patience. Les élèves ne respectent plus rien de nos jours. Bonjour, j'ai quelque chose de nouveau à vous présenter. Ben voyons! Quoi? Non, pas vous, eux! Bonjour, monsieur le directeur. Voici un rétroprojecteur. Vous vous demandez à quoi ça sert, non? À projeter des transparents sur une toile pour créer des effets pédagogiques spectaculaires. Regardez! Comme c'est beau le progrès! Nous sommes les tout premiers de la commission scolaire régionale meilleure à détenir un tel appareil. Une chance inouïe grâce à cette technologie. Peut-être serons-nous capables de développer les talents du prochain Neil Armstrong. Je vous laisse vous familiariser avec ce petit bijou. Bon, où en étions-nous rendus? 5 fois 12? 60. 6 fois 12? 72. Très bien. Ouais, mais si ça fait 50 ans, y a-tu 50 galas méritos? 50 galas méritos, imagine! Merci, merci. Je remercie surtout la laiterie Leclerc pour leur bourse qui nous donneront un approvisionnement à vie en lait pasteurisé. Je vais avoir assez de courage pour me rendre au séminaire. Ah, puis avec ce sac de carottes et d'avoine-là, ça sera suffisant pour nourrir mon beau cheval pour m'y rendre. Je remercie l'Impérial Tobacco de Granby, une entreprise prospère d'ici, pour sa bourse étudiante qui me permettra un jour de devenir médecin et de sauver des vies. J'ai réussi à tricher pour me rendre ici. La direction s'en est même pas rendu compte. Merci pour le méritas. Ciao, bébé. Je félicite à l'avance tous les méritants et méritantes de l'année, avec tous
votre talent. Quand je vous vois si beau dans la salle, j'ai le tutti-frutti qui fait pop, pop, pop. Bon talent. Bon talent! Merci! Ho, ho, ho!